Salut à tous! Aujourd'hui, je reviens avec un petit haul action. Alors, il y a principalement des nouveautés. Alors, des nouveautés que vous avez certainement déjà vues dans d'autres vidéos, mais voilà, je tenais à quand même faire la vidéo pour voir, pour que vous voyez ce que je vais faire comme création future avec des produits action. Voilà, parce que vous êtes nombreuses à apprécier énormément les vidéos que je fais 100% action. Donc voilà, d'ailleurs en parlant de ça, je pense que oui, ce sera la veille. Donc hier, j'ai posté un mini-album donc que j'ai fait avec des produits Action. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, ce sera la première partie. La deuxième partie reste à faire. Je me suis dit que, enfin au début, je voulais en fait publier ma vidéo en une. Enfin, ou alors attendre au moins que mon mini-album soit complètement fini. Mais le mini-album que j'ai fait, je l'ai entamé il y a bien 2-3 semaines et je ne le termine pas. Je me suis dit, publie la première partie, comme ça va te motiver à le terminer tout simplement. Donc voilà, je vous invite de toute manière à aller voir la première partie. Et donc ici, je vais donc vous montrer mes petits achats donc chez Action. Donc la plupart des choses que je vais vous montrer, c'est des nouveautés, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, dans mon action, il y avait les petites formes en bois comme ceci. Donc, c'est des chiffres. Il n'y a que des chiffres. Donc, je l'ai pris en bois naturel et en noir. Voilà, c'était en promo de la semaine. Je crois qu'ils étaient à 79 centimes. Je ne saurais plus dire. Et voilà, donc j'en ai pris deux. Celui-là, je l'avais déjà pris. Il me semble que je ne vous l'avais pas montré en haul parce que j'étais allée une fois à Action et j'avais pas assez de matériel pour pouvoir vous le montrer en haul, tout simplement. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est des tout petits cercles à broder comme ceci. Alors, ils ont l'air pas mal. Alors, c'est en couleur. Je vais vous l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, il y a donc un cercle à broder comme ça. C'est du plastique. Par contre, là, c'est pas du bois. En couleur rose bien flashy. Alors, c'est pour faire du diamond painting. Alors, je l'ai pris pour avoir le cercle à broder. Mais je pense que je vais quand même me tester le diamond painting parce que je n'ai jamais testé. Donc celui-là, je vais le garder vraiment pour ça. Et à mon avis, j'en rachèterai un pour avoir juste le cercle à broder pour faire du scrap. Mais là, j'ai envie d'essayer le diamond painting. Donc voilà, le modèle, c'est des flamants roses comme ceci. C'est tout mignon. J'ai vraiment envie de tester. J'ai vraiment jamais testé. Donc ici tous les petits diamants. Donc avec chaque. Ici je vois que sur chaque paquet donc il y a des lettres. Et donc on doit replacer dessus. Donc franchement c'est nickel. Et avec fourni il y a un petit pic, je suppose, pour attraper plus confortablement les diamants et une petite pelle comme ça pour mettre à l'intérieur. Donc même la pelle comme ça peut me servir par la suite pour de l'embossage. Et ici une petite ficelle comme ceci. Donc franchement ça j'ai bien hâte de tester. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je le ferai en vidéo. Alors, j'ai pris les nouveaux tampons, voilà. Alors, on les avait déjà vus sur... Il y a un groupe Facebook sur Facebook. Et donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça doit s'appeler Craft Sensation. Sensation, je le dis en anglais, mais Craft Sensation. Et donc, ils avaient déjà présenté plus ou moins, surtout les tampons... attendez, que ceux-là, je crois, et les chats. Et donc, voilà. Il y a un petit moment, ils les avaient déjà présentés et voilà, j'avais trop hâte qu'ils sortent. Ils sont enfin sortis. Alors, je vais vous montrer les modèles que j'ai pris. Vous les avez certainement déjà vus, mais bon, je vous montre au moins les modèles que j'ai pris. Donc, j'ai pris ce modèle-là. J'aime beaucoup ce renne-là pour l'hiver. Ce sera génial. Donc, voilà la première planche. J'ai pris celle-ci avec les jarres et les plantes grasses. Voilà, j'aime beaucoup la plante là qui descend. Je dis qu'il y a du bois à faire ici parce que j'adore les cafés. Alors moi je suis pâtée, je suis café, donc voilà, avec les donuts et tout, c'est trop trop beau. Ensuite il y a cette planche-ci. Alors cette feuille-là, pardon, elle se retrouve également dans une autre planche que j'avais déjà achetée, mais ce n'est pas grave. Ensuite ici les chats. Alors pareil, ça faisait partie donc d'une planche avec le bloc acrylique. Il y avait ce châle-là
et celui-là, les deux là. Donc voilà, ça me fait un double. Mais bon, je me dis que je pourrais offrir mon autre planche à quelqu'un d'autre qui n'a pas eu la chance de trouver dans son action. Donc voilà pour les planches de tampons. Franchement, je suis contente de les avoir trouvées. J'ai hâte de faire des créations avec ça. Vous savez, hein, donc je fais des vidéos 100% action. Ensuite, j'ai pris toujours dans l'optique de faire des mini, pas des mini, mais des bijoux pour les mini albums. J'ai pris des perles. Donc j'en ai pris un paquet donc dans les tons là, comme ça, brun, doré, bronze. Et celui-ci dans les tons bleu et vert. Donc voilà. Et ensuite, j'ai craqué donc pour les stickers comme ceci. Alors, j'ai craqué pour plusieurs planches. Alors, tout d'abord, j'ai craqué pour celle-ci. Alors, j'ai un peu hésité pour celle-ci. Mais je me dis que pour mon Traveler Notebook, ça peut être pas mal. Donc, finalement, je l'ai pris. Voilà, je vous montre. Comme ceci, donc elle est pas mal. Donc alors à chaque fois il y a un thème, donc c'est hop le thème fleur comme ceci. Ensuite j'ai pris le thème chien chien. Alors celle-ci pareil, je me suis dit que comme je n'avais pas de chien comme ça, ça servait un peu à rien, mais ça m'arrive de faire des créations pour des personnes, donc je me dis que ça peut être pas mal de la prendre au final parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Les chiens comme ceci, même si je n'en ai pas un, ben, ils sont trop mignons. Et à vrai dire, donc nous, enfin vous avez déjà vu, donc mon chien Vasco, c'est un husky. Au départ, on voulait prendre un carlin, mais finalement, voilà, on a trouvé Vasco, donc il était à donner. On l'a récupéré, il avait déjà 6 mois pour la petite info. Et donc voilà, du coup, quand on a pris Vasco, ben, on n'a plus pris de carlin. Mais voilà, on se dit que quand on n'aura plus Vasco, on se rabattra peut-être sur un carlin, avoir un carlin ou un bulldog français, mais à mon avis, ce sera plus un carlin. Voilà, ça, c'est le ça il me semble que c'est le bulldog français. Et le carlin, je pense que ça, c'est un carlin, hein. Dites-moi si je me trompe. Mais voilà, de toute façon, c'est plus ou moins dans la même lignée, enfin, lignée de ressemblance plutôt. Ensuite, j'ai pris le thème comme ceci, licorne. Voilà, j'adore, c'est trop trop beau. j'adore. La petite sirène, la sirène aussi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les licornes, mais j'aime également les sirènes. Les couleurs sont vraiment très très belles. Ensuite, j'ai pris le thème ici, hérisson. Ça c'est parfait. Donc les hérissons sont de nouveau de sortie. Donc voilà. Je vous montre. J'aime beaucoup la petite voiture comme ça avec les fleurs, un peu comme, comme à Noël avec le sapin. Ensuite, j'ai pris le thème lama. Donc, hop, je vous montre. Voilà, donc franchement, j'aime beaucoup les personnages, enfin les animaux humanisés, entre guillemets, je ne sais pas comment dire d'autres, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, le dernier, donc la dernière planche, c'est ici éléphant. Et donc la voici, toujours avec des animaux humanisés. J'appelle ça comme ça, ça se dit certainement pas comme ça, mais c'est pas grave. Et donc voilà, c'est trop trop mignon. Regardez cet ours, j'adore. Franchement, c'est vraiment nickel, nickel, nickel. Je suis super contente. Donc voilà pour mon petit haul action, j'espère donc qu'il vous a plu. Alors, je vais vous remplir la petite enveloppe. Alors, à l'heure où je vous parle, vous aurez la vidéo, on est mardi. Normalement, vous l'aurez jeudi. La personne de la précédente enveloppe ne s'est toujours pas manifestée. Voilà, donc je vais vous remplir la petite enveloppe. Alors, je regarde dans ce que j'ai. Je ne vais pas pouvoir vous mettre des choses de ce que j'ai acheté. Mais je vais fouiller ici dans ma petite boîte qui est faite pour vous. Donc je pioche au hasard, voilà, donc je prends ceci, hop, j'ai pris au hasard, hein. Une petite carte comme ceci, une petite enveloppe comme cela, une petite madame, et voilà, donc je mets ça dans la petite enveloppe comme d'habitude, hein. Hop, voilà, vous connaissez le principe, et donc ben voilà, j'espère donc que cette vidéo haul vous aura plu, donc n'hésitez pas à rester connecté sur ma chaîne,
Je fais des vidéos 100% action, mais pas que, hein. Je fais aussi d'autres vidéos, de toute façon vous voyez, hein, ben, pas besoin de vous expliquer. Voilà, donc ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, comme d'habitude, laissez un petit commentaire, laissez un petit pouce en l'air. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Salut !